Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Timberborn. Je vérifie que l'enregistrement tourne. Oui, c'est bon, tout fonctionne formidable. Donc, je viens de passer un cycle entier à laisser en gros s'écouler le temps. On vient de prendre une sécheresse de 3 jours. De 7 jours, donc on a tenu, hein, comme vous voulez, on vient d'en sortir. Hein. Alors, vraiment, ça vient de commencer, on vient d'en sortir, ça s'est très bien passé, hein, c'est très bien passé. Regardez, on attend encore que l'eau arrive d'ailleurs. Les eaux sont pas encore là. Ça arrive, quoi qu'ici le niveau est en train de monter. Ouais, le niveau est en train de monter, c'est bon, ça arrive, voilà. Parfait. Impeccable. Impeccable. C'est parfait, ça tourne, ça nous vaut la fête. Ah oui, j'avais mis ce projet en stop. Oui, on va commencer à avoir du bois, je pense. Ah non, c'est vrai que j'ai arrêté. En fait, je voulais absolument que mon forestier puisse planter ses chênes. Et pour cela, il fallait impérativement arrêter de replanter toutes les 10 secondes du pain. Parce que ça saoulait. Hein. En fait, il passait son temps à replanter ça en boucle. Donc là j'ai fait stop, hein, j'ai laissé le pain sortir de terre, parce qu'on va avoir les moyens très bientôt, parce qu'il ne manque plus que les engrenages, mais de faire ceci. Très bientôt, lui sortira de terre, hein, une fois que... Là ça va se faire, hein, pendant cet épisode je pense. Hein. Lui, ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Hop, on peut libérer un castor. Un castor a été libéré. Bravo. C'est beau Polo. J'ai donc envie de demander si... Ah ici il les a pas tous. Il faut qu'il reste là pour tous les avoir. Ok. Et ben on va se mettre dans ces cas là Un petit range moi des baies là dedans. Pour raccourcir un peu le chemin ceux qui souffrent. Je me suis également aperçu que le problème, c'était pas la quantité de champs que j'avais, c'était ma capacité à les récolter. C'est-à-dire que ça, là, les caisses étaient vides, mais c'est parce qu'il y avait personne pour les ramasser. Du coup, ça va devenir le... Comme vous pouvez le voir, hein, genre là, en fait, il y a des tas de choses qui sont prêtes, hein, y a des carottes qui sont prêtes, plein de choses qui sont prêtes, mais on n'a pas de réserve, parce qu'on a personne pour les ramasser. Voilà, basiquement. Donc ça c'est bon, en termes d'eau on est très large, on tient sans problème, hein. L'idée c'est de pouvoir caler un deuxième lit d'eau ici. Finalement, bah lui, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? La réponse est oui, il servira au moment où nous serons empoisonnés, où l'eau sera empoisonnée. Il permettra de verrouiller le lieu et d'empêcher l'eau contaminée de venir s'infiltrer trop rapidement, puisque ça va quand même s'infiltrer, mais plus lentement. Donc, c'est déjà une bonne chose de fait. Lui, ça bouge pas. Je crois que j'ai rien changé à part que j'ai dû mettre de patates ici. Je crois que c'est avec vous en plus que je l'ai fait. Je sais même plus trop. Ici, ça reprend tranquillement son petit bonhomme de chemin. Donc, ça veut dire que le bois est en train d'arriver. Je vais laisser quand même le lido se terminer. J'ai pu remonter à 1,5. On est remonté à 1,5, c'est très bien. C'est très très bien. Très joli. Oh, cette région m'intéresse beaucoup. Il y a du bois. Hein. Il y a du beau bois. Il y a du bon bois. Dans la boisetière. De la planche en réserve. Quelle est donc cette aberration? Ah, ça y est, le lido est terminé. Parfait. 10 de bonheur, hein, le bonheur explose, ça veut plus rien dire. Les bâtiments manquent d'ouvriers. Oui, bon, ça peut s'entendre. Et ça manque d'ouvriers ici aussi. J'entends. Ce que nous allons faire, c'est récupérer ce monsieur-là. Donc, pour aller me récupérer en urgence mon dernier bout de bois, s'il vous plaît. Voilà, maintenant c'est un simple job comme les autres. Hop, hop, hop. On va te rouvrir, toi. Voilà. Donc là, c'est des chaînes, c'est un peu long, mais bon. On attend qu'ils viennent, et quand on les prend, bah ça fait toujours plaisir. Une chaîne, c'est quand même 8 bouts de bois, hein. Ça fait plaisir. On est très, très content de les avoir. Quand ils sont frais et dispo.
Donc là, on les a mis uniquement à tomber du bois, sauf qu'on n'a personne pour le faire. Alors, serait-il temps d'admettre qu'on a peut-être un peu trop de recherches concentrées au même endroit? Je suis presque envie de tout faire sauter pour mettre des entrepôts. Gardons cette recherche. Gardons la recherche, car c'est notre projet finalement. Finalement, c'est un peu notre projet. Par contre, lui, il ferait du plus bel effet ici. Et pour ça, il faudrait que j'enlève deux plantes. À y songer. À y songer ultérieurement. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Ou alors un petit grill. Mais je crois que la porte est de l'autre côté. Ouais, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Par contre, oui, je peux tout à fait en péter un, hein, tiens. Voilà. Et on peut se faire un grill. Allez, un petit grill. Oh, c'est prioritaire ça. Hein. Là, il s'agit de bouffer quand même, hein, les gars. Hein. C'est important. On parle de choses d'importance capitale. Pas de place pour stocker. Ah, on est au max. On est au max en bois? Non, on n'est pas du tout au max. Qu'est-ce qu'ils me font, eux? Ils me disent pas qu'il n'y a pas de place pour stocker. Ils sont idiots. Ouais, il y avait de la place. Alors, ici, on va faire des titites pétettes. Ça part. Bientôt du marronnier. Alors, c'est pas tout. Enfin, les marronniers vont bientôt pousser, mais. C'est pas encore pour tout de suite, mais voilà, ça va arriver. Ça va arriver dans ce cycle, hein, normalement. C'est un cycle, c'est 20 jours TTC, je crois. En tout et pour tout. Ça c'est bien. Mon petit caster là, il est content. Il a tout ce qu'il lui faut. Ce qui aurait été sympa, c'est si je pouvais. Ouais, j'ai pas pouvoir. En fait, j'aurais bien. C'est quoi? Je vais même le faire. Je vais remettre une cabane. Simplement pour contaminer ce lieu. Avec des. Comment cela s'appelle-t-il? Alors, ça, c'est prioritaire. Hein, si vous pouvez vous dépêcher, s'il vous plaît. Voilà. On va avoir toutes les planches avant les rondins, c'est ça? Faites une blague, là, les gars. Let's go! Je sais qu'on a tout ce qu'il faut. Allez. Allez les petits potes. Vous poussez. Voilà, parfait. Alors, ce job est vital, premièrement. Deuxièmement, je voudrais juste amasser du pissenlit ici. Voilà. Je crois pas qu'il va jusque-là. Si, il va jusque-là, mais il va pas jusque-là-bas. Ok, très bien. Juste tu mets du pissenlit. L'idée c'est juste, il les pose, on vire la culture. Voilà. Juste des jeunes pousses, la petite pousse sauvage. Voilà. Pas besoin que ce soit entretenu. C'est de la pousse sauvage, c'est très bien. Juste attendre qu'ils nous finissent ça. On détruit le bâtiment. On libère un castorteur, on a 6 emplois qui sont pas occupés. Ouais, ça commence à mourir. On a encore des petits problèmes de rotation de la population. C'est encore un petit peu compliqué. Voilà. Donc ça c'est parfait. On est blindé en baie et du coup, ce qu'on va se permettre de faire, on va se permettre l'impensable. Oh, est-ce qu'on se permet des choses? Genre, déco là. Petite déco. Petite déco vite fait. J'ai envie de gaspiller des rondins pour ça. Et hop, on se met du pissenlit par deux fois. On se prépare, on stocke du pissenlit tranquillement. Lui, il m'a tout mis. Parfait, c'est magnifique. Vous pouvez me supprimer son bâtiment. Voilà, c'était bien. Hop. Au moins, j'ai enfin du pissenlit sauvage sur la carte. Ça poussait tranquillement. Voilà.
On en aura même avant des marrons, ça continue comme ça. 4%, on en aura avant les marrons. C'est pas une illusion d'optique, on en aura avant les marrons. C'est certain. On a assez de bois et assez de planches pour concrétiser ce projet-là, hein, donc on va le remettre en marche. Hein ? Ah non, mais le chemin... Ouais, oh là là, qu'est-ce que c'est ? Pas non plus la montagne du fun, votre truc. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire, et tout, excusez-moi. Voilà. Très bien. Ouais, il nous manque des gens partout. Partout, partout. Il n'y a plus personne nulle part. Donc on va bientôt avoir besoin de toi, parce qu'on va bientôt avoir besoin de... On va bientôt pouvoir récolter des marrons, mais on n'a pas de quoi les griller. Eh ben d'ailleurs, on n'a personne pour les griller. C'est impeccable. Ce qui fait que toi... Ben temporairement mon ami, on peut se passer de toi. Qu'à la limite tu pensais devenir cuisinier, ah, pas envie. Refusé. Fait non. Plus jamais ça Zinedine. Toi les chaînes là-bas ils sont beaucoup trop jeunes, on peut te libérer. Pareil, temporairement. Il veut pas devenir cuisinier non plus. Est-ce qu'on peut enlever deux gars? Est-ce qu'on peut récupérer un cuistot à un moment donné? Ah non, d'accord, on récupère que des Bouffman. Bouffman, le plus grand de tous les héros. Ah oui, toujours pas un cuisinier. Ok. Deviens cuisinier. Merci. Merci beaucoup. C'est fort aimable à vous. Je ne suis pas. Je voulais pas vous pousser dans cette direction-là. J'espère que vous n'êtes pas senti obligé. Hein, bien entendu. Il n'y a pas de place dans le stockage, oui, ça c'est. Oui, c'est certes. Mais on va construire un truc, vous inquiétez pas. On se débrouille. Et il va falloir des marrons grillés à un moment donné. Voilà. Ce qu'il va nous falloir aussi, c'est que la planche... Alors la planche, c'est le cœur de la vie. Hein. C'est le... C'est... Sans la planche, on peut rien faire. La plancha, c'est la vidas. Donc... J'ai envie de dire, faisons des planches. Ensuite, usons de tous nos rondins, nous en avons plein, on va défoncer notre stock de rondins. Mais alors, quand je dis défoncer, c'est vraiment lui coller sa race. Hein. Genre, on avait des rondins, bah c'était avant. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. En sachant que pour faire des feuilles, il faut des planches. Pour faire des écrous, il faut des planches. Pour faire des livres, bah, du coup, il faut des planches. Alors, pour faire des cartes perforées, il faut des planches, d'ailleurs, précisément. Toute cette chaîne-là, déjà, ça mange de la planche. Ah oui, et pour faire de la planche magique, bah, il faut de la planche. Donc, là, déjà, j'ai consommé 4 types de planches. Voilà. Donc, ça nous fait encore, avec mes 6, 2 drabes. Alors, 2 drabes vite fait, hein. Pour le reste de l'exploitation. C'est pas fou non plus, hein. C'est pas... J'ai l'air comme ça d'abuser sur la quantité. Mais en fait, la réponse, c'est pas tant que ça. Alors... Je pense que oui. Je pense que c'est rigolo de faire ça. Alors attends. C'est pour ça que j'ai mis pause. Parce que là, c'est l'instant où il se passe des choses. Normalement, il faudrait donc passer par-dessus ça. Et genre redescendrait comme ça. Ou alors à l'inverse, on fait comme ça, on fait une coudée, genre comme ça, Zinedine. Boum. Et comme ça, on peut... Oui, parce que je suis en train de dire, oui, je prends des planches, mais je prends des planches. Ouais, si je veux mettre... parce que des écrous, il va nous en falloir aussi, hein.
On n'est vraiment pas large hein, sur mes conditions d'acquisition. On n'est pas large au sein. Voilà, l'idée c'est de faire un truc plus ou moins comme ça. C'est un peu rigolo hein, comme design. Ah oui, il faut que je me mette à un moment donné une pièce comme ça, sinon ça marche pas. Ok. Non. On peut voir juste en dessous s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà. Montre-moi ça. Voilà. Il nous faut donc un autre escalier par ici. Je suis en train de me demander si je ferais pas mieux de tout coller. Au lieu de faire des projets mystiques extrêmement compliqués parce que ça s'entoure bien notre gain. Non mais je fais des projets mystiques. C'est bon, en plus le gars il a sa dernière planche livrée à la livrée. Il fait vraiment des projets trop mystiques. Mais c'est un certain esthétisme. J'aime bien le mysticisme parce que c'est un certain esthétisme. Donc, c'était pas là. C'était là. Elle. Je suis pas très fan de mon design. Voilà, ça règle tous mes problèmes. Alors celui-là, on va le mettre en pause. Celui-ci, on va par contre le conserver. Ah oui, le truc que j'avais oublié, c'était ce chemin-là. Effectivement, ça changeait tout. Celui-là, on va le conserver. Celui-ci, c'est à l'arrêt. C'est à l'arrêt. C'est un projet à l'arrêt. Celui-là également. Je garderai peut-être celui-là, je vais peut-être réactiver celui-là. Mais d'abord, pour l'instant, on fait les roues. Voilà. Voilà, voilà. Y a pas de place pour stocker les rondins. Eh ouais. On a 1500 de science. Alors moi j'adorerais m'intéresser à ce sujet. Ça coûte un peu cher. Moi j'adorerais. Mais ça coûte un peu cher le tas souterrain. Le tas souterrain ça fait tellement la différence. J'étais pauvre, j'avais rien, mais c'était avant. J'avais pas de place, bah c'était avant aussi. Ok. Bon bah le bonheur ne cesse d'augmenter, hein. Je suppose que le Lido y est peut-être pour quelque chose. Je crois pas avoir ajouté grand chose en plus. Hein. On a encore deux tâches qui se passent de tel genre. Ah bah oui, mais c'est parce que on est en train de préparer de la nourriture. On a des patates grillées maintenant, c'est peut-être pour ça que les gens sont contents. On a des petites patates grillées, évidemment, quel plaisir. Les gars, on peut mettre genre un petit taquet sur la patate. Genre la patate devient la priorité nationale. C'est vraiment un monde de patates avant tout. Votre vie est une patate, les gars. Je vous jure. Je suis en train de me demander s'il va pas falloir que je pète cet arbre. On va faire un petit chemin colesque et glaise comme ça. La recherche est à l'arrêt. Et avant que j'oublie, on va se relancer de la recherche et du développement. Même si on pourrait aller utiliser, bien sûr, toute notre puissante mécanique pour générer de la recherche. Nous, on aime bien faire ça à l'ancienne. Petit côté... petit côté artisan. Quoi. Un petit côté artisanal. Voilà, c'est sympa. Je vais pas m'arracher de plantes là. Ah oui, parce que maintenant il est tout seul à charrier des trucs. Au secours. Moi ça vite fait. C'est pas long en plus. Franchement, t'en as pas pour long. Fais un effort, Roger. Je sais que t'es débordé, mais je sais que tu peux faire un effort. Deuxième plante, merci. Merci, Roger. Pause syndicale pour tout le monde. Let's go. Vous ne l'avez pas volé. Dites-vous que si vous êtes des voleurs, bah celle-là, vous ne l'avez pas volé. Ça, c'est une, deux, trois recettes. Après, la troisième, c'est le jaunet. Donc ici, on aura la troisième
troisième four pour évidemment la ferme aquatique qui va se trouver par ici. Pour l'instant, ce n'est pas son... ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, ça se demandait si je me taille pas un tronçon là plutôt et que je la mets justement par ici. Plutôt que de longer là le rebord et de manger potentiellement des cases. Vraie question. Nous y répondrons bien plus tard, évidemment. Parce qu'après, je pourrais la poser là, mais c'est gaspillé parce que... Ah si, ouais, je peux me mettre des champs par là, ouais. Ouais, si, si, je peux me faire un petit carré là, là. Tac, 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 je la pose dessus. Genre, tac, comme ça. Je mets un escalier ou deux pour descendre, boum, boum, boum. Ouais, c'est pas mal, on peut se faire ça, on pourra se faire ça. Ouais. On n'y est pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Et donc ici, je peux laisser mon petit arbre. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est incroyable. Sécheresse commencée. Ah, blablabla. Vite. De toute façon, je crois qu'il y a déjà plus d'eau qui coulait, mais dans le doute. Parce que normalement, on va récupérer tout le reste, là, qui... Voilà, qui est en train de s'assécher, normalement. Qui s'est déjà asséché hyper vite. Évidemment. En train de me dire que donc cette plateforme pourrait être sautée. Ça nous ferait récupérer du bois. Je suis mitigé sur l'intérêt. Ça par contre on va vraiment pouvoir le remettre en marche hein. C'est un vrai truc hein. Il se passe des vraies choses. Cool, les gens sont heureux. Qui manque de matériaux? Ouais bah il n'y a pas de marron pour l'instant hein. Pour l'instant il n'y a pas. Ça va arriver, ça va arriver. C'est vrai qu'en attendant qu'on ait du marron, j'ai envie de te dire, je peux te libérer et t'envoyer un autre poste un peu plus pertinent. Je pourrais bien t'envoyer couper du bois. Ça me paraît un tantinet plus pertinent. Mais celui-là va bientôt se terminer, je pense, non? Ok, c'est en train de finir la roue. Ouais. Du coup, j'ai pas besoin de cette roue, donc ils se sont dit, let's go, on va faire cette roue, les gars. Pas vous défoncer du tout. Vraiment, je vais rester hyper calme. Bon, deux connards. Il n'y a toujours pas de place pour des rondins, par contre. Foutez de ma tête. Depuis tout à l'heure, vous me ramenez que du rondin frais pour faire cette roue. Cool. Vraiment. Top up the vachette, hein. Top à la meumeu. Incroyable, hein. Donc un gars qui sert à rien, soit je le mets à couper du bois. Mais les gars me disent qu'il n'y a pas de quoi stocker du bois, je comprends pas. Le jeu me dit s'il y a de quoi stocker du bois et lui me dit non, il n'y a pas de quoi stocker du bois, te dis-je. Je comprends pas tout. Écoute, hein, on va remettre les jobs en branle. Allez hop, retour au boulot. On verra pour les castors supplémentaires si jamais il y en a pour l'instant. On a figé notre population. Donc normalement, normalement il n'y a pas d'embrouille. On va pouvoir claquer aussi un petit peu de rondin en mettant ça ici. Parce qu'on peut vraiment réfléchir de manière très binaire, genre voilà, ça c'est un quartier, c'est valide. Hein. Voilà. Donc c'est valide, c'est validé, évidemment. Oui, complètement d'ailleurs. Moi, je pense qu'il y a un avenir à faire ça. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais en réalité, ça existe. Je l'enlève vraiment. Parce
que je vais vraiment utiliser cette surface là. Mais je vais le remettre. Regardez, bougez pas, je vous le rends tout de suite. Le petit arbuste s'il vous plaît. Juste là. Petit arbuste du plus bel effet. Vous aurez noté. J'ai pas foutu de votre tête. Hein. Et un escalier ici. On va accéder à de nouvelles strates. Voilà. On va essayer d'exploiter chaque millimètre carré hein, de terrain disponible. Pas de stockage pour les rondins. Mais vraiment, hein, faut arrêter vos conneries. Hein. En fait, j'ai juste pas de personnel, hein, faut me le dire comme ça. Hein. Arrêtez de me mentir, quoi. Moi, y a personne pour le faire, quoi. Effectif zéro. Alors, on peut faire ça, mais on pouvait aussi faire autre chose de sympa. C'est-à-dire qu'on pouvait faire une rue qui allait jusque là, un escalier qui monte ici, faire une reprise là juste devant, et en fait, derrière, on mettait des maisons doubles. C'était des maisons comme ça là. Bam. Qui venait sur celle-ci. C'était un vrai style. Et ouais. On peut même commencer. On peut même faire les deux. On peut même tout faire. Je vais vraiment vous montrer à quel point on peut tout faire. Hop hop hop. Hop. Non. Merci. C'est ce que je veux. Ah mais non, je peux pas le faire comme ça. Il faut que je le tire plus loin. Parce que on va quand même pas perdre la place ici de rajouter une maison. Ce serait vulgaire quand même. Hop. Ah oui mais attends, on peut la rajouter dans ce sens-là. Ah c'est vrai qu'on peut tout faire. Oh la triche est totale hein. Oh alors on raquette tout ce qu'on peut raqueter. Hein. Et là, vous savez quoi? Le nouveau. Dans les nouveaux objets, il y a une lanterne. Et là une petite lanterne. Alors, elle est pas belle ma petite lanterne? Par contre, elle est pas dans le sens que j'aurais. Je trouverais ça plus convenable comme ça. Voilà. C'est un peu plus raisonnable. Voilà. Hop. Très joli. Du plus bel effet, si vous voulez mon avis. Donc, je peux bel et bien reprendre ma bêtise. En disant, hop, on met ça comme ça. Non. Ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Oh, quoique. Oui, je suis comme ça. Je suis dubitatif. Oh, je peux faire tellement d'âneries. Non, mais moi, je vois tellement la possibilité de faire des andouilleries que je sais plus quoi faire, quoi. Je vois le passé de la bêtise, quoi. Le futur de ma connerie, tout y est, quoi. Là, je peux faire boum. 150, on les a, vas-y. Envoie. Et on peut même se remettre des maisons ici. Même vous direz-vous, y a-t-il point un abus? Alors certes. Certes. Je rappelle qu'on a fait un accès ici. Voilà, là vraiment on fait des projets de fou, hein. C'est vraiment... Vous êtes fou monsieur, mais complètement même. Complètement si vous voulez tout savoir. Voilà. C'est très rigodrôle. Voilà le genre de bêtises qu'on peut faire. On peut même se rajouter une petite maisonnette ici, pour le plaisir. Ou couvrir cette partie-là et rajouter une grosse maison, hein, parce qu'on peut, rajouter une terrasse ici et couvrir, hein. Même deux grosses maisons, hein. On peut regarder. Regardez, je vous montre. Hein. Je vous montre à quel point on peut tasser comme des sourds. Même si vous en doutez très probablement. Voilà. Voilà. Ah, là, on a tassé comme des sourds. Là, on y est allé. Hein. Là, on s'est pas gêné. Voilà. Mon seul regret, c'est qu'on peut pas étouffer le toit terrasse. Voilà, c'est mon petit regret personnel. Voilà. Après, on pourrait le faire sauter. Et le mettre encore un étage plus haut du coup. Voilà. Ça c'est des choses qui peuvent se faire. Alors par contre, faut faire attention avec ces projets là, parce que là moi j'ai fait un truc qui est très rigolo. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est la fin de là. Excusez-moi, videz ça, videz l'eau. J'ai pas fait gaffe. Je suis un fou.
Cette plante s'est fanée. Ah bah oui, elle a été noyée, ouais. Elle a bu la tasse. Dans ces projets fous là, faut se méfier, parce que dès que les castors les font et les réparent et les bricolent et les machins, bah après ils sont construits, ils sont là. donc ils se reproduisent. Qu'il y ait la nourriture ou non. Voilà. Voilà, voilà. Donc y a-t-il une utilité d'aller aussi loin dans le délire? Je ne pense pas. J'aime bien faire un espèce de... En fait, l'idée, c'est de faire une espèce de terrasse. Ou pareil, on va pouvoir remettre un toit terrasse. Ce genre de choses. Genre, ici, l'idée, c'est de mettre... Je fais des jolies choses. Hein. On n'a pas besoin non plus de tasser avec le pied les bestioles. Voilà. Oui, on est quand même pas mal. Et on va se remettre un petit toit terrasse. Ah ouais, c'est ici. On va se remettre un petit toit terrasse là. Et de ce côté-là, on va mettre la vraie déco. Genre le Raptor Castor. Voilà. Et le petit castor de paille. Voilà. On a mis un peu de tout, ce qui fait que les gens, quand ils vont se balader, même en bas, ils profitent de l'aura de ces bestioles-là. Ce qui est quand même méga super cool. Alors ça, on peut pas le faire. J'aimerais beaucoup le faire, genre ici, vous voyez. Genre, parce qu'on va sûrement reconstruire des choses autour de tout ça. Ah, j'ai pas assez de points de science pour le mettre. Ok. Je vais encore mettre des hamacs et des... comment ça s'appelle, ces trucs là. Est-ce que c'est intéressant? Alors dans tous les cas, oui, la réponse est, c'est forcément intéressant de recouvrir cette zone là. Mais pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. On va déjà d'abord les laisser transpirer parce que là il y a une quantité de boulot. En fait il me faut plus de castors sinon le projet va caler. C'est aussi simple que ça. Donc là, on nous a construit une maison en plus. Il y a 6 litres dispo. Faut juste attendre que les castors se reproduisent. Ça devrait bien se passer. Et pour améliorer cette marge, il suffit de réduire le nombre d'heures de travail par jour. Tout simplement. Tu ne peux pas travailler. Excusez-moi. Hop. Voici. Vous pouvez travailler maintenant. Ça me fait plaisir. Alors lui, il est très loin évidemment de son travail, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout de sa vie à lui? Je dirais bien que je me sentirais concerné, mais non, pas du tout. On a un gars qui sait pas quoi faire. Bah, je croyais que le poste là-bas était pas tenu. Ah si, il est tenu. Magnifique. On a des marrons. On a des marrons. On peut ouvrir le grill. Et les gars, c'est grill party hard. Ça, c'est des casters qui peuvent pas vous le dire parce que... Ils peuvent pas vous le dire, c'est un jeu vidéo les gars. Mais ils sont très contents. Ils sont très très contents. Hop. Alors ici, on va mettre du marron grillé. Et là, on va se mettre du marron tout court. Allez. Let's go. Alors, peut-être falloir prioriser les chantiers. Hein, parce que là, voilà, c'est ça. Là, il va commencer à construire n'importe comment. Donc, ok pour ça. Et ça. Par contre, pas d'accord pour le reste. Hein. Genre, ça t'oublie. On monte les étages là. Voilà. J'ai envie de te dire tout ça là. En dernier là. Voilà. Ça, garçon, il n'y a pas d'urgence. Hein. Voilà. Là, le toit, tu peux le faire normal. Par contre, le toit, c'est quand même après ces deux stockages. Oh, quoi que ces deux stockages, j'abuse en vrai. On a... on n'est pas non plus dans le mal, ce qui suffit de livrer le... Voilà, ils l'ont livré, ils l'ont chargé, ils le remplissent là en marron, et en marron grillé, il y a un peu de place dedans. Ça va descendre tranquillement.
On a encore un poste non tenu. Ouais, mais alors ça c'est chiant. je vois le tableau, ça m'a saoulé tout de suite. Direct. Je fais non, pas pour moi, merci. Bisous, bisous. Voilà. En fait, je suis vraiment en train de me dire que malheureusement, j'ai pas besoin de cette passerelle. Mais j'ai pas besoin de récupérer des matériaux. Je suis un peu plein. On est un peu plein. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller par ici et remettre des effectifs. Voilà. Là, ça va avancer un peu plus vite. Il nous manque plus qu'un gars. Et là, vous allez voir, ça va mettre un coup de collier. Ah, ça va aller tout de suite un peu plus vite. Hein. Il va commencer à se passer des choses. Par contre, on produit zéro écrou. Ah oui, non, c'est parce qu'on les consomme tout de suite. Ouais, c'est ça. Ça part tout de suite dans les vrais projets. Ça demande... En plus, ça demande que des planches et des engrenages. Ouah, c'est vorace un peu. 30 planches, c'est vorace. Hein. J'en stocke pas tant que ça. C'est pour ça que les gros stockages, ça va très vite devenir un vrai sujet. Parce que sans eux, bah on fait pas grand chose. Ici, je pense qu'on va garder encore du quartier de vie vraiment tout autour du centre-ville. Mais là-haut, on va aller mettre du stockage. Vraiment du stockage profond. Stockage des profondeurs. J'aurais même bien aimé ce bloc-là, là. Boum, le dynamiter un coup pour pouvoir mettre un escalier. Ouais, t'es pas mal. Après, on peut aussi composer avec ce qu'on a. Hein. On n'est pas obligé de dynamiter. Parce que la dynamite, ça devient vite une grosse habitude, quoi. Ça devient vite une vraie histoire. Je suis en train de me demander si je remets pas des pissenlits ici, ou si au contraire, je l'empêche de s'étaler en venant remettre une ferme par là. Réponse, pas d'avis pour l'instant. Pas d'avis politique sur la question. Ok. Ah, il va pas jusqu'au bout. Ah, c'est rigolo ça. Il va pas jusqu'ici. Ah, ça, c'est marrant ça. Ah, bah, ça va pas jusque là. Voilà, on lui berçait de ce truc là. C'est bien de les marquer, en fait, les endroits où vous pouvez pas aller, couper ou quoi que ce soit. Parce que. Ça veut dire que c'est des endroits que je vais pouvoir dynamiter. Pour libérer de l'espace sur une culture aquatique, par exemple. Juste de le savoir, c'est pratique. Si, hein, c'est pas planté ici, c'est pas plantable. Ah, c'est pas planté, c'est pas plantable. Beaucoup trop sec. Alors, si c'est beaucoup trop sec, ce qu'on peut faire, en revanche, c'est un nouveau stockage. Et ben, à Rondin. Je pense qu'on va se remettre du rondin, hein, la base de tout. Hein. Hop. Et juste à côté des bûcherons, on se remet du rondin. Ça me paraît très correct. Ici, on va pouvoir emboîter des trucs et des machins et des choses. Mais je pense que la première chose qu'on va faire, sinon, je rappelle que si j'en détruis, je peux pas les récupérer. C'est des engrenages. Faut qu'on puisse stocker tout ce que l'on produit. Par contre, vous allez me faire plaisir de faire cette toiture en urgence, quoi. En ur, quoi. Ah, parfait. On a encore 4 lits disponibles. On a 2 gars disponibles pour du travail. Ça, c'est plutôt bien. Peut-être devoir mettre l'accent sur... Ah, ils me l'ont rempli en 2 secondes, quoi. Ils avaient pas le temps. Excellent. 16. On est trop content.
Les gens sont heureux. Marron grillé, on va bientôt être au taquet. On va bientôt être au taquet de tout ce qui se fait. On va me construire ça très vite. Parce qu'un marron pas récolté, c'est un marron gâché, finalement. Ah, la fameuse infection des eaux. On va donc la connaître là. Ça va être notre moment. J'étais en train de rire en buvant mon café, je me dis, ça va être le moment de prouver que mon choix était pas le bon. Et que ça va ne servir à rien du tout, ce petit truc. Voilà. On aura testé des choses. On aura testé des choses. Parce que d'après ce que j'ai compris, si je ne plante pas tout le long les barrières anti-contamination, c'est foutu, ça me pourrit ma terre. Le problème de cette barrière, c'est que... Alors, empêche un peu de se propager au sol uniquement, ce bâtiment doit être construit sur le sol. En fait, le problème que j'ai avec ce bâtiment-là, c'est que je ne sais pas s'il empêche également l'hydratation des sols. Et ça, ça me dérange. Parce que du coup, je ne sais pas. Ça y est, on a ouvert les stockages. Oh là là, c'est beau ce qu'on fait. Hein. On a un peu de blé en réserve en plus, ça, c'est un peu rigolo. Bon, on en a pas besoin, mais va peut-être falloir songer à ce projet là. Moi je pense qu'on a de la planche, on commence à faire de l'engrenage. C'est un plan qui devient sérieux. Rond d'un planche, on va d'abord alimenter ce projet là. Parce que les eaux contaminées, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais c'est pas un projet qui me plaît beaucoup. Mais là pour le coup, on va rentrer dans le vif de la mise à jour. Hein. Vif de la mise à jour. Le vif, vous avez compris. De la mise à jour. Un truc que je pourrais voir aussi à débloquer. C'est rangé où ça? Ici. Le droguiste. Ah ouais, mais il faut de la planche magique. Ah non, mais il faut de la planche magique, quoi. Besoins fondamentaux, blessures. Ça, par contre, oui, ça, on peut s'équiper. Hein. On peut s'équiper en petits plumards, là. En mini plumards. Les petits lits. Alors, on a un quartier un peu compact, mais voilà. C'est peut-être justement le moment de se dire, tiens... Ici, là, on s'était dit, c'est toujours utile, mais on sait pas. Et ben voilà, maintenant on sait. Maintenant on sait qu'on va pouvoir se mettre un petit stockage ici, ou par là par exemple, un médicament. Donc il ne va pas servir tout de suite, hein. Soyez tranquille. Il est, pour l'instant, il est parfaitement inutile. L'idée donc c'est d'avoir une petite place là autour du poteau qu'on va mettre une fois qu'on aura assez de recherche pour le mettre. Et hop 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 boum. Ça c'est verrouillé. La petite vague de contamination qui détruit tout. Ça détruit tellement tout que la dernière fois que je suis venu couper ici, je crois, dans une autre partie, tout était mort définitivement. Ça repoussait plus. Quoi? Ah, ça m'a vidé l'eau instantanément. Non, attends, c'est une connerie. Ouais, c'est soit je pompe de l'eau, mais ça m'a fait dépop ma flotte. Non, ça c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Non. Non, c'est dégueu. Alors ça, par contre, je pense que c'est un bug du jeu. Il va peut-être falloir qu'il fixe ça. Ouah, ça est en train de tout tuer. Ça empoisonne tout. Oh, oh les fumiers. Ah, vite, faut couper du bois. Vite, 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 vite. Ouah.
Oh, je vais peut-être devoir blinder les côtes, hein. Sauf que je suppose que c'est... Il faut du métal. Alors métal, voilà, c'est ça. Métal, il y en a par là. Et mange tes grands rebords. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce truc-là? On va commencer à couper du métal. Oh, on est au max en poutre, en plus en réserve. On peut plus rien mettre. Hein. On est obligé d'attendre que ça arrive. Bah vas-y, hein, claque-moi des rondins là-dedans. Hein. Allez-y, vider du rondin. Ah, je suis bien dégoûté du coup. Ce projet en plus qui nous avait fait perdre du temps sur la sécheresse, bah finalement, n'a servi à rien. Bien dégoûté. Pas de place pour stocker 8 rondins, vous foutez de ma tête là quand même. Je peux pas le faire. Oui, ce n'est pas raccordé à la route. Parfait. Ouais, c'est raccordé à la route. T'es content, mon grand? Les eaux de vie. Le retour. Oh, excellent. Hein. Et je vais pas retenir les eaux empoisonnées. Hein. Virer tout. Oui, alors j'aurais peut-être pu virer moins fort. Je reconnais. C'était peut-être un peu brutal comme technique. Voilà. Bon, on retient un peu d'eau propre. Voilà. Du coup, ça c'est en train de se déverser. C'est par contre, ça m'a supprimé mon eau d'un coup, mais maintenant que c'est de l'eau contaminée, ça a plus dégagé, c'est ça le projet? On sait pas trop. C'est en train de se diluer, c'est ça? Ah, ça nous a mis un bon strike. Hein. Allez, il manque un engrenage là-dedans. Si quelqu'un avait la décence d'aller me chercher le dernier engrenage qui traîne. Ce sera pour demain. On va reprendre un quota de travail standard. Castor en mauvaise forme. Castor a passé trop de temps dans l'eau infectée. Pour l'instant, il va bien, mais il tombera malade dans quelques jours. Ah! Ah oui, donc... bon, bah, écoutez, j'avais prévu de mettre des tentes. Mais ça, c'est malheureusement, c'est que pour les blessures, mon petit pote. Ouais. Hop. Voilà. Et quand on a des blessures, c'est très important d'avoir un espace pour prier, parce qu'il te reste plus que ça, on n'a pas de médecin, mon gars. Bon courage, hein. Bon courage. Une agora. Ça, ça coûte pas cher, hein. C'est accessible, hein. C'est dans mes moyens, c'est dans mon budget. C'est surtout beaucoup de rondins. C'est dans mon budget. 60 planches. On va avoir de la planche. Ça peut se bricoler, les gars. Oui, certes... Soit, j'entends. On va se remettre un petit centre de la prière ici. Un mini temple. On a deux places. C'est le moment parfait pour y mettre un petit banc. Et là, un petit banc.
J'aurais bien mis un lampadaire à côté. J'avoue. Je vous avoue tout. J'aurais bien mis un petit lampadaire à côté. J'aurais envie. C'est le petit bruit, le lampadaire. Ok, impeccable. Ça passe. Et donc très probablement nous aurons ici, voilà, l'escalier. Oh, très joli, très joli. Ça s'emboîte, c'est bien, on aime ça. Hop. Hop là. Et oui, on adore quand ça s'emboîte. Incroyable. Les gens crient au génie. Je comprends, hein. Je comprends. Je suis apte à entendre vos hurlements de joie. Mais devrais-je faire cela? Ou devrais-je garder un autre espace de quartier? Parce que finalement, quand on est là, est-ce qu'on n'est pas un peu loin? Que dalle, 24. Pff, tranquille. Alors que quand on est là... 32, on est déjà beaucoup plus loin. Allez. Je rappelle que si on veut se remettre un espace pour... je vais pas vous le trouver, mais... On n'a rien d'hydrate plus jusque là. Si, ça doit hydrater, mais c'est juste que... Faut que les fermiers reprennent, ok. Moi, j'ai l'intention de supprimer ce truc-là. Dès qu'ici, on va pouvoir mettre des carottes. Voilà. Oh, c'est quoi? Et hop là. Ça me fait plaisir. Et donc, ici... Un escalier. Ah, pas dans ce sens-là. Alors, attendez. Vas-y. Alors, lecture. Comme ça, je peux me remettre un petit toit de terrasse ici. Parce qu'à un moment donné, ils vont être très demandeurs de toit de terrasse. Et je préfère anticiper. Donc, on a des cases de 2 par 2, c'est impeccable. On va pouvoir mettre d'autres constructions. Et en même temps, on a gardé assez de place sur les côtés pour pouvoir se remettre une petite disqueuse à quenotte. Est-ce qu'on se met une disqueuse à quenotte ici? Alors qu'en vrai, c'est pas jojo et que c'est plus joli de mettre un petit arbuste. Puis la ponceuse à quenotte. Et où la ponceuse? La ponceuse. Voilà, comme ça on en a deux. Je suis même pas sûr que deux soient nécessaires. À notre stade, je suis même pas sûr que deux soient nécessaires. Franchement, les castors, ils peuvent se relayer. Le castor est contaminé. Contaminé par l'eau infectée. Donc là, il est parti pour mourir, je suppose. Non, c'est donc c'était pas joli, on disait, comme truc. Donc, on peut se mettre des petits hamacs. Voilà, deux petits hamacs. Et bien sûr, petite lanterne du quartier. Voilà. C'est bien aménagé, je pense. On est pas mal. On a survécu donc à ça. Ça, c'est une bonne chose. On a dû commencer à récupérer du métal. Ouais, on a commencé à récupérer du métal. En termes de stockage souterrain... On a tout ce qu'il faut pour commencer à en faire. Je pense qu'il va peut-être falloir attaquer ça. Par contre, non, il nous manque de la technologie pour faire ça. Voilà, de la tech. Du techos. C'était où le truc, ça? 600. Aïe, 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 ça coûte cher. Hop, peu cher, ça coûte cher. Est-ce que c'est pas le moment d'entrevoir de nouvelles possibilités technologiques? Et en plus, on aurait tout ce qu'il faut pour faire de... pour atteindre ces nouvelles possibilités technologiques. Ah.
plus que je sais pas ce qu'il faut pour le... Ok. Écoutez, on a du bois, on va pas gêner. Les gens ont commencé par rajouter une roue encore. Elles sont même pas toutes connectées, mais... Il y en a même quasiment d'ailleurs aucune de connectée. Il y en a que deux qui sont connectées. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas ce qui compte. Putain, j'ai 3 usines de planches. Et j'ai pas assez de planches. Pour le faire. Hein. Allez. On rajoute donc la suivante. Let's go. L'usine suivante. Et pour l'instant, on a juste besoin de faire des écrous, je rappelle. Voilà. Écrous, ceci dit, on est bientôt plein. On est au taquet. Hein. On est au taquet de ce qu'on peut sortir. Hein. Tout est mort. Ah putain, tout est mort. La plante s'est fanée. Eh bah ouais. Qui va peut-être nous obliger à avoir une vraie foresterie. On va peut-être obligé d'avoir un forestier pour... Parce qu'en fait, ce qui tue vraiment toute la végétation, c'est les eaux contaminées. Alors, regardez ici, vous voyez. Jusqu'ici, la sécheresse ne l'avait jamais tué. Les eaux contaminées ont tué vraiment la faune. Enfin, la flore, excusez-moi. La faune, c'est nous. La faune, c'est les castères. Mais bon, pour l'instant, on peut pas encore produire de médicaments, donc... C'est pas réellement un sujet, mais ça risque de devenir intéressant de faire ça par ici. Ah ouais, tout est cramé. Hein. Oh, lui, il a un boulot, laisse tomber. Le boulot qu'il a. Oui, engagez-vous, qu'il disait. Ouais, bah ça le motive pas. Hein. Tu peux couper jusqu'où, toi? Jusque là-bas? On peut peut-être se rajouter des petites choses, là. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller là-bas? Qu'est-ce que je voudrais construire là-bas? À part plus de trucs aquatiques, éventuellement si je faisais un barrage. Tirons cette route. J'accepte de tirer cette route. Ça va jusque là. Et toi, tu me dis quoi? Toi, tu me dis que tu vas jusque là. Très bien. J'entends. Est-ce que je suis une brute et je rajoute encore du chêne comme une grosse brute? Voilà. Voilà qui est pas mal. Putain, ça va vraiment tuer tout, quoi, là. Pouah, le castor qui a... castor qui gère la foresterie, là, il a un boulot. J'ai pas envie d'avoir le même, hein. Je commence tout de suite, hein. Le castor contaminé, qu'est-ce qui devient? Contamination. Affecté par l'eau. Oui. Est-ce que tu vas mourir? Refuse de travailler. Ok. Ah, ça le rend genre... il est en mode berserk, quoi. Je sais pas où est-ce qu'il est. T'es où? Faudrait juste voir si physiquement t'es différent. Ah ouais, il est fait... Ah oui, il est... Il est bouffé par les rades, hein. Il est cramé par les radiations. Pauvre bonhomme. J'ai un peu mal au cœur pour lui. Pauvre petit bonhomme. Ok. Donc on a pris un sacré coup à cause de cette histoire de radiation là. Peut-être falloir s'isoler de la côte. Hein. Et pour ça, dans tous les cas, il nous faut du métal. Et métal, bah on l'a pas. On en a pas là. Alors, ce qui serait bien, c'est que maintenant, on vous vide. Hop. Voilà, on va se mettre un deuxième lido. Voilà.
On va mettre un deuxième lit d'eau. Bon, pas haut. On est large. On est au max en flotte. Et je pense qu'on a une belle marge par rapport à ce qu'on a besoin. Donc on est pas mal. Là-dessus, on est pas mal. T'as le forestier, il va jamais en voir le bout. Hein. J'ai pitié pour lui. Hein. Oh, là, tous les marronniers sont crevés. D'ailleurs, j'ai plus de marrons. Hein, tellement tous les marronniers sont morts que j'ai plus de marrons. Aussi simple que ça. Ouais, va falloir passer à l'acier plus vite que prévu, visiblement. Je sais même pas si c'était prévu de passer à l'acier à un moment donné, mais là, oui, il va falloir y passer. Hein. Il va falloir qu'on isole les côtes. Plus cher. Hein. Ça, c'est une belle galère. Hein. On a de la planche. Donc ça, c'est pour de la carotte. Ça va être donc pour de la patate. De la patate crue. Et de la patate cuite. Voilà. Comme ça, on a des vrais stockages. Pas de camionneurs dans le district. Et alors? Et alors? Et alors? Ah, il leur faut des extraits. Ah, d'accord. C'est nouveau, ça. Ah. Il faut des extraits. D'accord. Je peux entendre ça. Je peux entendre cet argument. Je peux comprendre. Poste de transporteur. On pourrait le mettre ici, mais techniquement, ici, c'est les habitations. Donc, mon petit pote, le transporteur, plus grand de tous les héros. Je vais en profiter pour caler un stockage donc ici. Pour mettre le métal brut. On vient de récupérer là. Paf, on a du métal brut. On prend. De toute façon, ils vont me le faire vite fait, je pense. On n'a plus de bois quoi. On n'a plus de rondins. On s'est fait laver. On s'est pris une catastrophe, on s'est fait laver. Alors qu'on était solide, on était solide hein. À Radville. Radville, on était prêt à tous les drames. Et finalement, je suis en train de me dire, est-ce que j'aurais pas dû garder mon truc, même si ça me le garde à sec, parce que ça m'empêchait l'eau contaminée de rentrer dedans. Et bah je vais remettre mon écluse, parce qu'effectivement, je le sens moyen bof cette histoire. Ah d'ailleurs ils sont vides là. Hop, un petit lidal, un lidal des lidos. Hop. Ok, bon bah c'est bon. Allez, j'ai cette petite zone aquatique. Elle est simple, elle est soft, elle est bien. Ah du coup, on a une nouvelle catégorie qui est apparue. Adulte contaminé. Ah. C'est moche. En plus, le plus moche, c'est que le mec ne crève pas. Et le mec ne soigne pas. Ne se soigne pas, donc... On récupère juste... Un poids mort. Socialement parlant, c'est terrible. Pour des castors. Bon, bien que si on écoute certains humains... Le discours trouve du sens des fois, je sais pas pourquoi. Pourquoi pas. J'ai lancé ça en l'air alors que pourquoi pas, non c'est de la merde, mais bref. C'était pas le sujet ici. C'est pas le sujet ici. Patate cuite là. Patate cuite, l'autre on lui a fait un dépôt à patate cuite, il est devenu fou. Ouais, il avait des gamelles, quoi. Je sais pas, il y en a, il a filé de la ferraille, il lui a trouvé des gamelles en fonte, il a fait let's go. Let's go. Alors comme ça, on a trop de rondins.
C'est peut-être pour ça qu'on a plus de rondins. L'autre il a cramé le forêt à côté. Tranquille, il s'est dit c'est bon. J'ai cuit des patates pour une légion de type. C'est le choix de commencer. Yes, let's go. Ça tient tranquille. Tranquille, tranquille. Alors, ça on va le garder au plus bas évidemment. Parce que voilà, ici on pompe beaucoup 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 d'eau. L'idée c'est quand même de maintenir un certain standing. Même lui en fait, j'aurais pu te laisser 1.5. Si jamais t'as une goutte d'eau à donner. Non, il a même pas donc. On est pas mal. Ah ouais. Ah ouais. Ah c'est... Voilà, merci. Ah, je préfère hein, déjà. Hein. Oh, la terre, elle a trop de mal à se débarrasser de la contamination. Quelque part, c'est un peu stylé. Non, j'avoue, c'est un peu stylé. Je me suis fait douiller, clairement. Je me suis bien fait douiller, même, d'ailleurs, dans cette histoire. Mais c'était stylé. Faut dire ce qui est. On tourne avec tout ce qu'on... Ah oui, par contre, oui. Quand c'est la sécheresse, il n'y a pas de vent non plus. Il n'y a plus rien, en fait. Juste plus rien. Du papier, du PQ, ok. Du bouquin. Voilà, du bouquin, c'est ce qu'il nous faudra ici. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est réussir à me transmettre un petit arbre à cam. Là, on va se faire un petit arbre à cam. Hein. Parce que pour l'instant, ça, si on veut exploiter, faut dynamiter. Donc, on va pas s'emmerder. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. Donc, on va se transmettre de l'énergie. On va se transmettre de l'énergie. Avec une pièce comme ça. Moi, ça tout de suite. Vite! Vite! Ouais. On va pas voir le futur. Je sais pas si je vais mettre d'autres trucs là, donc... Sans, je sais pas trop. Je sais que... nous allons avoir besoin... Eh non, mais attends, moi je suis en train de faire ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je suis en train de me douiller tout seul, là. Je suis en train de me faire du tort tout seul là. Tac 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 tac. Ah, je suis obligé de faire ça parce que je peux pas dynamiter pour l'instant. Donc on a pas trop de choix. Ah si, ouais si le choix. Ouais, bon, je les ai payés mais bon ça me bouffe des non ça me bouffe des écrous. Range-moi ça. Rangez-moi tout ça. Ah, pour me sortir des conneries, il y a du monde. Hein. Putain. Supportable. Tac tac. Et effectivement pour l'instant on va juste tourner. On va juste tourner manège, tourner... On va se tourner ça. Donc nous, ce qu'il va nous falloir, c'est des moulins. Ok. Moulin. Into. Moulin. Into. Moulin. Certains diraient bien into Jean, mais... Bref, calmez-vous. Calmez-vous sur l'humour. Et donc là, il me faudrait papeterie, ça rentre. Ah oui, non, c'est un truc central. Ah, chiant. Chiant, 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 chiant. Papeterie, faut mettre ça de l'autre côté, c'est ça? Ah, chiant. Chiant, ça rentre nulle part. Relou. Relou. On va essayer de gagner de la place et de l'espace. On va se faire ça différemment. Tac, ici. Il me faut moulin. 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 Et ça fait une rue derrière? Chiant. C'est pas ce qu'on veut. Ah ouais, mais c'est vraiment hyper chiant. Ah, c'est hyper chiant. Ah, faut voir, on va vraiment devoir les placer en quincon à tout bout de champ là. Allez, let's go. Ça part. Oui, on peut mettre ça comme ça.
Oui, on peut se le mettre comme ça. Voilà. Voilà. C'est bon, on a le quartier de Jean. Super. Ça, on n'en veut pas. Ça reste bloqué. Ça, on n'en veut pas. Voilà. On a donc nos 4 moulins. 2 pour le blé, 2 pour les... pour les massettes machin, même lui au fait d'ailleurs tu peux le mettre en pause, hein. Je me soigne de... oui c'est celui-là qu'il faut mettre en pause puisque celui-là, j'ai besoin d'y accéder. Donc celui-ci on va y accéder en attendant qu'on me dise le contraire, comme ceci. Ou même plutôt comme cela d'ailleurs. Ça fait des trajets beaucoup moins longs. Puisque justement celui-là on n'en veut pas puisqu'on veut pouvoir les coller les uns aux autres. Oui, toi tu veux moudre du blé, vas-y régale-toi. On veut pouvoir coller nos bâtiments. Ça c'est vu. Maintenant, ce qu'on veut aussi, donc, c'est une papeterie. Papeterie, on la veut pour une très simple et très bonne raison. Oh, tout rentre en plus, c'est magnifique. Voilà, ça y est, c'est rentré. On veut des papeteries parce qu'il va falloir faire des livres et des cartes perforées et que les deux nous mangent du papier. Et qu'évidemment, l'une de nos décorations qui donne du bonheur, donc qui est le mannequin, consomme du papier. Voilà. Donc let's go, on fait du papier. Voilà. Et on a 17 de bonheur. Toujours un castor contaminé. Le bâtiment manque d'eau. Ouais, je me doute, ouais, c'est la crise. Attends, je vais vous descendre un peu de flotte, les gars. Voilà, un petit peu d'eau. Oh, ouais. Je sais pas si ça suffira pour rehausser le tout, mais j'ai plus de culture sur le haut, hein, donc je peux vous gorger un peu, voilà. Mais pas trop parce que ça se vide de l'autre côté, ça sert à rien. Ah bah, je vous remets de l'eau. Voilà. Et après on va se remettre à 1,5, parce que ça va pas tarder à se vider. Vous en profitez, hein, c'est la méga teuf à ce que je vois. Allez, on remonte ça. Ok. Donc, prochainement, dans le prochain épisode, il faut absolument qu'on se fasse de la ferraille, de la tôle. Il faut qu'on bosse du métal. C'est urgent. C'est urgent. C'est la grosse crise. Il n'y a pas assez de points de science en plus pour le produire. Il faut 300 de science. Et on n'a plus de science. On a dégradé notre science, évidemment. Oui, sauf que voilà. Sauf que faites-moi ça, voilà, merci. Récupérez-moi vos ressources à la con. Je vais remettre ma papeterie. Mais je vais bloquer le projet tout de suite. Stop. Ramassez tout le reste là. J'aurai pas de place, arrêtez. Arrêtez, il y a de la place là. Arrêtez. Oh là là. Une place de rien du tout, nulle part. Et cette pile là, ils peuvent pas l'atteindre. Et laisser des planches et de l'engrenage vraiment ici, je vous déteste. Vraiment, je vous déteste vraiment. Voilà, donc dans le prochain épisode, l'épisode de l'acier, on va s'intéresser à ça. Je vais laisser tourner un petit peu, je pense, un cycle, histoire de... histoire d'engranger des planches et des engrenages, voilà. Afin que l'on ait ce qu'il faut. Pour attaquer l'acier, hein, et surtout de la science, parce qu'on n'a plus de science d'ailleurs. C'est quoi, je vais poser tout de suite de la science, parce que c'est vraiment la misère. Et je vais me poser ça, tiens, juste à côté ici, là. Boum, boum, et boum. Au boulot. J'en avais détruit 3, presque 3, j'en ai pas détruit 3. Presque 3. J'en pose 3 de plus, de toute façon on a 12 castors au chômage. Impeccable, pas de problème. Let's go. Let's go, let's go. Le blé est en train de se transformer en farine. Même pas. Ah oui, mais non, parce qu'on reprend seulement notre activité. Et ouais. C'est seulement la reprise de l'activité. C'est quoi le problème? Ah, mais le problème, c'est que j'ai pas construit lui. Voilà. Voilà, c'est quoi notre problème? Le problème, c'est qu'il faut construire lui. De toute façon, ça tombe bien, on n'a pas de planche. On a 14 planches seulement maintenant. On est quand même tombé en rate de planches. Voilà.
Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Timberborn et je vous dis à la prochaine, ciao.